YSL clutch back, boss niggas love that my weave real long. Do my squats, throw that ass back. Love my attitude, so he call me Lil Brat. Brat, he love me long time, cause it's cash, yeah, I match that. Never took a L, lesson learned, and I bounce back. Tripping off a nigga, man, for what? I just fall back. I don't have the time to be giving out my time. Haters tryna dim my light. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait ma coiffure, comment avoir un plaquage bien parfait. Et j'ai utilisé les mèches qui veulent à l'Sky Hair, vous savez déjà, tout sera en barre d'infos. Les mèches, je les aime bien, donc voilà quoi, si tu charges des mèches curly, bah tout sera en barre d'infos, voilà, voilà, voilà. Je vais vous montrer étape par étape comment je plaque mes cheveux side part, parce que j'ai déjà des vidéos où je plaque mes cheveux, mais c'est genre vite fait, et là je voulais bien vous expliquer étape par étape ce que je fais avec mes cheveux. Et voilà quoi, rien de spécial. Si vous aimez bien mon plaquage, je vous invite à continuer à regarder ma vidéo. Merci. Là, mes cheveux, c'est de la merde. Mais j'ai déjà tracé ma raie. Franchement, si vous l'aurez ici, au milieu, sur l'autre côté, c'est à vous de voir. Mais moi, je l'ai fait ici. Commencez avec la partie la plus facile, donc celui-là. Le gel qu'on va utiliser, c'est celui-là de chez Grasvort. Ce gel, c'est comme si c'était de l'eau, donc c'est grave bien si t'aimes pas l'effet trop. T'as vu, donc j'utilise ça, et pour avoir un plaquage bien plaque, j'utilise ce wax. Franchement les filles, achetez ce wax, il est tellement bien si vous voulez un plaquage bien sous, bien frais, bien tout ce que tu veux. Donc si tu cherches un bon wax, franchement je recommande celui-là. Moi j'ai les cheveux, on va dire, c'est pas trop, donc ça fait grave l'affaire. Si t'as des cheveux crépus, je te recommande d'acheter ça, ton plaquage sera moi. On va commencer à mettre ça, parce que sur ces parties j'ai pas vraiment besoin de le wax en fait. On va juste le mettre au dessus, mais bon, on commence. Je vais mettre sur ma main. Après je mets d'abord au dessus. En fait je mets le wax parce que j'aime pas l'effet genre wave sur ma tête. Donc je prends ma brosse et je brosse les cheveux en bas pour que le gel il va sur tous les cheveux. Je comprends que ça peut pas aller facile sur tous les types de cheveux, mais ouais, je me souviens comment moi je le fais. Là j'ai mis mes cheveux dans un bol. Là, on va prendre le wax et on va appliquer sur les cheveux. Je vais pas mettre trop parce que j'ai pas besoin de trop de wax. On va juste mettre pour avoir un effet bien slick. Et j'ai mon miroir ici pour voir ce que je fais. Parce que sinon... Voilà. Après, je repasse avec la brosse. Maintenant on va attaquer l'autre partie. Déjà faut bien brosser les cheveux. Moi mes cheveux ils sont pas propres. C'est pour ça que je fais cette coiffure. C'est grave bien si t'as pas lavé tes cheveux parce que ça va pas. Donc en fait on va faire partie par partie en fait. Cette partie je vais attacher. Ouais, j'en ai les gravements. Et je vais attaquer cette partie. C'est bien d'abord brosser les cheveux. Je prends mon gel. Je mets d'abord du gel. Même derrière. Oubliez pas de mettre derrière parce que. Voilà quoi. J'ai mis du wax seulement un petit peu. C'est juste le final touch. Maintenant on va attaquer cette partie. C'est la partie la plus importante en fait, parce que on va bien le plaquer. Et en fait je commence à brosser parce que c'est très important que tes cheveux soient bien démêlés. Sinon voilà quoi. Mon gel et je mets ça dessus.
Ouh, mes bras. Ah, c'est bien plaqué. Maintenant, je prends mon wax. Là, je prends mon chouchou. Bon, là, je ressortis mes baby hair. J'ai fait mes baby hair vite fait. Vous savez déjà comment je fais mes baby hair. J'ai reçu ces mèches de chez Alice Kai Hair. Ils m'ont envoyé ces mèches. C'est commandé sur AliExpress. Vous savez déjà, tout sera en barre d'infos. J'ai pris le 24 pour se m'envoyer un 24, un 24 encore et deux 26. Et j'ai pris le 24. Je vous recommande de prendre plus court pour que ça passe naturel. J'ai juste enroulé les mèches. Vous savez déjà, rien de spécial. Voilà, c'est parti, le gel, après je vais faire ma bande pour que les cheveux matchent avec les cheveux en fait. Voilà, maintenant on a ça, moi c'est pas naturel donc ce que je vais faire, je vais juste... Comme ça, ça match avec mes cheveux. On a fini. Moi, juste parce que je suis en train de filmer, mais sinon vous allez mettre mon foulard pour que ça soit bien plat, plat, plat pour toute la journée. Voilà, on a fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, bad girl, I don't care. Et je vous dis à la prochaine. Bye.